Donc, première ville, premiers États au nord des Alpes, c'est-à-dire que je vais vous parler d'une zone qui est donc au nord des Alpes, mais qui déborde largement à l'est et à l'ouest, mais qui ne touche pas les populations dites celtiques des îles britanniques d'une part et de la péninsule ibérique d'autre part. Alors, donc, première ville, premiers États gaulois, ça peut sembler effectivement surprenant pour le grand public, même si maintenant, de plus en plus dans les écoles, on prend en compte les découvertes récentes et les questions sur lesquelles nous sommes majoritairement d'accord entre nous spécialistes. Mais je tenais effectivement à vous montrer qu'il n'y a pas si longtemps, moi quand j'étais petit en l'occurrence, j'ai eu des manuels donc d'histoire, comme vous probablement, tout au moins un certain nombre d'entre vous, qui vous donnaient une image des Gaulois complètement simpliste, voire primitiviste. Vous avez ici quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Vous voyez, ça date de 1955, c'est pas si loin que ça. Et donc cette image-là, en quelque sorte, ça ne correspond absolument plus à ce que nous connaissons sur les Gaulois, donc sur ces Celtes des derniers siècles avant notre ère. Ça correspond en gros, si vous voulez, aux techniques et aux façons d'habiter des gens du 4e millénaire avant notre ère, donc beaucoup plus ancien en quelque sorte. On est encore dans ce que l'on appelle la période néolithique. Donc les Gaulois dont je vais vous parler, vous avez déjà probablement compris cela avec ce que vous ont raconté mes collègues, donc ne sont absolument pas des gens qui vivaient dans des huttes misérables, au fond des bois, etc., etc. Alors tout ça, effectivement, ça participait d'un discours, si vous voulez, sur les Gaulois, qui montrait, enfin qui était censé montrer que l'on avait affaire à des populations très primitives par rapport au degré de civilisation atteint par les Romains en particulier. Et vous avez ici effectivement des pages que j'ai retirées d'un manuel scolaire ancien, où l'on compare donc les Gaulois et les Romains pour montrer à quel point, d'une certaine manière, le fait d'avoir été conquis par les Romains a permis aux Gaulois effectivement d'atteindre enfin la civilisation. Vous voyez, village gaulois ici, il se composait de huttes misérables. Sacrifice humain, donc, par les druides, prêtres des Gaulois. Tout ceci pour effectivement démarquer les Gaulois de l'époque, des Romains de l'époque, dont on sait très bien qu'ils n'étaient pas du tout économes, si vous voulez, de cruauté sanglante, etc., etc., non plus. Et puis pour finir, Gaulois en marche, les Gaulois marchaient en désordre, alors qu'en dessous, vous avez effectivement les Romains qui, eux, étaient en marche de façon très disciplinée, ce qui leur a permis effectivement de dominer, etc., etc. Donc il y a toute une imagerie qu'on est en train effectivement de mettre par terre de plus en plus à la faveur des découvertes de l'archéologie. Une image entretenue d'une certaine manière, de façon sympathique évidemment, par Astérix et Obélix, bien sûr. Donc, en fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre là, c'est que si on prend un petit peu de distance sur le long terme, en quelque sorte, pour ce qui concerne la fin de l'âge du fer, hein, période sur laquelle nous parlons les uns et les autres le plus fréquemment donc dans le cadre de ce colloque, il faut bien comprendre que depuis très longtemps déjà, dès le début de ce que l'on appelle l'âge du bronze, autour de la fin du 3e millénaire avant notre ère, on a affaire à des sociétés qui sont déjà très très hiérarchisées, donc pas du tout primitives si vous voulez, et donc on peut suivre en quelque sorte donc des formes d'organisation des sociétés plus ou moins complexes, plus ou moins hiérarchisées, donc ça se tend si vous voulez du point de vue de la hiérarchie, puis ça se détend par moments, etc., etc., d'où ces oscillations que j'ai essayé de montrer sur cette image là, vous voyez, on est en 1500 avant notre ère, ici vers 1000 avant notre ère, donc on est dans des formations qui sont du type chefferie simple, qui sont plus ou moins autoritaires manifestement. Au premier âge du fer, donc 500 ans avant notre ère, on a aussi une tentative beaucoup plus marquée, si vous voulez, avec ce que l'on peut appeler des chefferies complexes, hein, donc des sociétés que l'on a qualifiées de princières, si vous voulez, avec Vix notamment, la découverte de Lavaux récemment aussi, dont vous avez peut-être entendu parler. Et tout cela aussi a tendance à s'effondrer, si vous voulez, assez brutalement à un certain moment. On retourne à des formations organisées sur la base de chefferies simples, d'une certaine manière. Et ce dont je vous parle maintenant, c'est le phénomène donc de la fin de cette évolution, c'est-à-dire effectivement une remontée extrêmement rapide et forte, telle que l'on atteint probablement au milieu du 2e siècle avant notre ère, ce que l'on peut appeler des états archaïque. Donc on est très très loin évidemment de l'image qu'il y avait encore dans les manuels donc scolaires des années 50 voire 60. Donc vers 500 avant notre ère, en effet, on a une société dite princière qui est illustrée ici avec une reconstitution en 3D
du fameux centre princier de la Heuneburg en Allemagne. On a l'équivalent en France, avec notamment VIX, par exemple, hein, dont beaucoup de Français connaissent l'existence, évidemment. Donc, des formations sociales très hiérarchisées, donc avec des chefs extrêmement autoritaires, manifestement, donc, qui dominent des paysages, des territoires relativement vastes, centrés sur des capitales, en quelque sorte, fortifiées, dont certaines étaient tout proches d'atteindre un niveau dit urbain, hein, carrément 4 siècles avant, effectivement, ce que l'on reconnaît maintenant comme l'apparition de l'urbanisation dans le monde celtique en particulier. Et puis c'est cela qui s'est effondré, hein, c'est ce que je vous ai montré dans l'image précédente. Voilà un petit peu ce que ça donnait. L'une des étapes, si vous voulez, du fameux rempart de la Heuneburg, un rempart fabriqué sur le modèle grec, hein, tout simplement. Donc d'où, effectivement, l'évidence de relations extrêmement étroites, si vous voulez, et fréquentes entre les civilisations méditerranéennes de cette époque-là, les cités-états grecques et étrusques, avec ces gens donc du nord des Alpes. Tout ceci s'effondre. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, une figuration de l'aristocrate guerrier de cette période-là. Ça s'effondre effectivement. Ensuite, voilà l'équipement que l'on retrouve sur les chefs, les élites masculines guerrières des 5e, début du 3e siècle avant notre ère. Et puis, ce que l'on constate, c'est qu'à partir du 3e siècle avant notre ère, 2e siècle aussi, les choses commencent à se transformer. Aussi, du point de vue de l'équipement militaire, on commence à avoir des gens équipés avec des panoplies extrêmement plus sophistiqués, si vous voulez, qu'auparavant, notamment les fameuses cottes de mailles. On constate que dans les ensembles funéraires dont on dispose, l'armement est extrêmement standardisé, de plus en plus uniforme, et que ceci va aller en croissant jusqu'à la fin, donc, de la fin de la période gauloise, précisément, avant, effectivement, la romanisation au plein sens du terme. Autrement dit, donc, quelque chose change de manière extrêmement forte à cette époque-là, c'est-à-dire que non seulement les élites sociales vont être enterrées avec des panoplies militaires complètes, mais en plus on constate que toute une fraction de la société plus ordinaire fait aussi partie de ces ensembles, si vous voulez, qui sont des ensembles guerriers, qui se réunissent plus ou moins en continuité, si vous voulez, mais donc en se mettant aux ordres d'élites sociales de plus en plus autoritaires. Ceci se traduit, et ce n'est pas un hasard évidemment, par des changements du point de vue de l'économie également, et notamment de la métallurgie du fer. Le 3e siècle avant notre ère, c'est le moment où, notamment dans le bassin parisien, on constate la hausse extrêmement forte, extrêmement marquée, justement à partir de 250 avant notre ère, du nombre de sites de forges par décennie, si vous voulez. Donc on a quelque chose de très important qui s'opère à ce moment-là, c'est-à-dire que le fer qui, jusqu'à cette époque-là, était utilisé en quelque sorte presque comme un monopole par les élites sociales, donc l'armement donc des élites, un certain nombre de parures, notamment pour les élites féminines également. On constate qu'à partir de ce moment-là, le fer va être utilisé beaucoup plus massivement pour un tas d'autres activités économiques de la société. Et en particulier, donc, ce fer va être exploité dans des mines qui se multiplient justement à ce moment-là. Alors là, on a un très bel exemple du bassin parisien. Donc, vous n'imaginez pas ici la dimension de cette mine de fer. Pour vous donner un équivalent de la dimension, si vous voulez une idée de la dimension, vous avez ce petit carré ici qui est ni plus ni moins un de ces énormes camions, vous savez, avec des roues de 2,50 m de haut qui circulent dans les carrières de ce type. Donc, tout ceci, évidemment, a été fouillé avec un étagement de manière à protéger la sécurité des fouilleurs. Et le fond ici, vous voyez, très inégal, c'est le fond des galeries d'exploitation du fer, donc des galeries souterraines à l'époque. Ceci, effectivement, c'est le moment où le fer, justement, va être utilisé, donc exploité de manière presque, je dirais, industrielle, et va être utilisé par tous les paysans, donc avec tout cet équipement agricole, c'est cet outillage agricole en fer avec les deux outils rois, le soc d'arrière en fer d'une part et la faux en fer également. Alors les faux à cette époque-là n'étaient pas utilisés comme
au XIXe siècle, hein, beaucoup plus proche de nous, si vous voulez, pour faire la moisson complètement. Donc d'abord, on commençait la moisson en enlevant les épis, on laissait les tiges, et donc les faux servaient à couper les tiges en question pour être utilisées effectivement pour le chaume des toits d'une part, et pour l'alimentation du bétail dans les étables l'hiver. Tout ceci a permis effectivement une productivité à une toute autre échelle, effectivement, pour ce qui concerne la production de nourriture à cette époque-là. On voit aussi des changements majeurs grâce à l'archéologie dite environnementale, hein, l'étude des pollens, des charbons de bois, etc., etc., et qui nous permettent en effet de mettre en évidence le fait que l'on a changé durant cette période. Ici, on est au 5e, 3e siècle avant notre ère. Ces gens-là donc cultivaient en ensemençant leurs champs, donc selon la méthode que l'on appelle la méture. Donc la méture, c'est le fait effectivement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'ensemencer un champ avec plusieurs espèces, de manière à ce que si une espèce est plus particulièrement touchée par l'humidité, un hiver défavorable, par des parasites, etc., etc., on va pouvoir jouer sur une ou deux autres espèces pour avoir quand même à manger. Et puis les choses changent justement. Troisième, deuxième siècle, on constate avec ces camemberts ici que la proportion des espèces donc, qui étaient conservées dans les silos donc, diminue en nombre. On n'en a plus que deux en général, et puis souvent même qu'une seule, ou une seule très majoritaire, si vous voulez, au fur et à mesure que l'on descend vers le premier siècle avant notre ère. Ça veut dire quelque chose d'important, ça. Ça veut dire que ces gens-là, s'ils prennent le risque de n'avoir qu'une seule espèce à cultiver, c'est qu'ils savent que derrière, si vous voulez, on a affaire à une société qui va avoir les moyens d'assurer leur mauvaise récolte en leur fournissant quelque chose de complémentaire, etc., etc. Ça veut dire un changement profond dans l'organisation même de ces sociétés. Ce que l'on constate aussi, en particulier grâce aux prospections aériennes, c'est que donc, tout ce que l'on a appelé donc, des fermes donc, indigènes, anciennement chez nous, entre archéologues, si vous voulez, on se rend compte que ce sont effectivement des restes de fermes hein, qui étaient encloses dans des grands fossés, etc., etc., avec des commencements de développement de véritables parcellaires. On se rend compte que donc, ces fermes-là ont tendance de plus en plus à occuper les zones de plateau à l'intérieur, si vous voulez, notamment du bassin parisien, donc à une certaine distance de l'eau, hein, des cours d'eau, etc., etc. Et comme vous le voyez sur ce graphique ici, vous avez des pourcentages en effet. Donc tout ce qui concerne les occupations de vallées, effectivement, ça tombe de 49% à 13%. Et au contraire, donc les occupations de fermes gauloises sur les plateaux vont augmenter, donc passer de 36% ici, donc vers 400 avant notre ère, à 70% avec le tout début de la romanisation en quelque sorte. Donc il s'est passé quelque chose de véritablement majeur, si vous voulez, une véritable, à mon avis, révolution agricole, qui a permis en effet de faire croître donc, la productivité, donc l'alimentation disponible, donc, comme toujours avec l'humanité, si vous voulez, comme les autres espèces vivantes, donc une croissance très très forte de la démographie également, et ceci va avoir pour conséquence, en effet, des commencements de regroupement, c'est-à-dire que ces gens qui occupaient l'espace sous la forme principalement de fermes et de hameaux assez dispersés, hein, c'est ce que vous avez ici, donc on va passer à quelque chose qui est plutôt de cette nature-là, avec très forte déforestation des paysages, et puis donc installation d'unités de peuplement, non plus seulement des fermes, mais en plus des fermes, si vous voulez, des villages plus ou moins gros, et même des villages de plus en plus gros dès la fin du 3e siècle avant notre ère. Donc voilà un exemple de ferme enclose, par exemple. On est très très loin, effectivement, de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, de l'image des Gaulois, donc dans les années 50. Donc voilà une ferme enclose avec les bâtiments d'habitation, un certain nombre de bâtiments pour des activités annexes, si vous voulez, des greniers, des silos, etc. Ce que l'on constate justement entre ce 3e siècle et la fin du 1er siècle avant notre ère, c'est qu'ont tendance à se développer des parcellaires à partir donc de la ferme elle-même, si vous voulez, de plus en plus vaste. Ça veut dire que les paysans pensent qu'ils ont la possibilité d'investir sur le long terme en un très gros travail, si vous voulez, pour rentabiliser en quelque sorte leur exploitation.
Et puis donc, c'est une des nouveautés, si vous voulez, sur laquelle nous sommes tous en train de travailler beaucoup actuellement, c'est le développement de grosses agglomérations dites ouvertes, donc non fortifiées. Dès la fin du IIIe siècle avant notre ère, on se rend compte qu'elles ont une densité absolument étonnante. Donc, ce sont nos collègues plutôt d'Europe centrale qui les ont mises en évidence d'abord. Ici, vous avez un bel exemplaire à Roseldorf, en Autriche, hein, plusieurs dizaines d'hectares. Hein, vous avez ici donc toutes les substructions, si vous voulez, qui restent. Une légère barrière d'enclos que l'on devine ici, et ceci a été développé, semble-t-il, sur plusieurs dizaines d'hectares, dans des très gros villages qui commencent à apparaître à ce moment-là. Ici, un autre exemple, Lovosice en Bohême. Vous avez la zone donc, en blanc ici sur le village actuel, si vous voulez, qui montre en effet la surface qui pouvait être occupée par les gros villages de cette époque-là. C'était des villages qui étaient habités principalement, semble-t-il, par des gens qui ne se livraient plus de manière aussi permanente à la production de leur propre alimentation, mais qui se livraient à des activités de type artisanal, production métallurgique, de céramique, de verre, etc., etc. Un exemple qui est très très bien connu en France, hein, puisque c'est un village qui est un des rares qui a été fouillé dans sa totalité, donc à Assy-Romance dans les Ardennes, c'est pas si loin d'ici. Donc vous avez ici tout un village, vous voyez, donc un environnement extrêmement déforesté, hein, qui n'a rien à voir avec l'image que l'on a en tête traditionnellement. Et puis ici, ce que vous avez, c'est donc toute une des rues de ce village, si vous voulez, où se développaient un certain nombre de temples, manifestement, et des temples qui vont être le modèle indigène, si vous voulez, qui va se développer à l'époque gallo-romaine sous la forme de ce que l'on appelle des fanas, hein, un fanum, des fanas, etc., etc. À partir du IIIe siècle avant notre ère, on voit donc se multiplier très probablement aussi des ensembles de type manoir, d'une certaine manière, pour ce qui concerne l'habitat des élites sociales. Hein, donc un très bel exemple ici, donc à Paul, Saint-Symphorien, dans les Côtes d'Armor. C'est une époque durant laquelle se sont multipliés également les sanctuaires bâtis, hein, sur le modèle de celui de Gournay-sur-Aronde. Vous voyez donc un enclos quadrangulaire avec une très forte palissade ici, un fossé donc à l'intérieur, un portail monumental et puis un temple construit au centre. Et à l'intérieur, ce que l'on a trouvé, c'est effectivement des restes, si vous voulez, de dépôts non funéraires, en quelque sorte, probablement des trophées d'armes, avec donc des équipements de guerriers probablement vaincus, qui s'étaient effondrés dans les fossés, et la fouille des fossés a permis effectivement de récupérer tous les types d'objets que vous avez ici, qui comme par hasard, là encore, hein, donc c'est ironique évidemment dans ma bouche, ont été volontairement sacrifiés, déformés, frappés. Un bel exemple que nous avons, donc un exemple en Allemagne, en Bavière, donc Manching, qui a été justement une de ces agglomérations ouvertes donc vers le milieu du IIIe siècle avant notre ère, donc qui petit à petit s'est développée, qui au milieu du Ier siècle avant notre ère s'est encore développée puis s'est entourée d'un rempart, donc avec une surface de plus de 300 hectares, et puis donc qui a connu des difficultés dans le courant du 1er siècle avant notre ère pour se contracter en quelque sorte, mais avec un maintien, d'une certaine manière, on ne sait pas trop dans quel état, du rempart lui-même. Donc vous voyez toute une histoire, si vous voulez, de développement, contraction, etc., etc. Voilà un petit peu l'image que l'on pourrait imaginer pour l'un de ces portails sur ces grandes agglomérations gauloises que l'on peut, à partir de ce moment-là, appeler de véritables villes. Je vais vous dire pourquoi ensuite. Quelque chose donc d'extrêmement monumental, de volontairement spectaculaire, impressionnant pour les gens qui arrivaient là, avec deux voies de circulation, etc., etc. L'intérieur, là aussi, alors un intérieur qui souvent a empêché un certain nombre de collègues d'admettre que l'on avait affaire à des villes au plein sens du terme, chez les Gaulois, si vous voulez, qui montre effectivement un urbanisme qui est beaucoup moins dense que l'urbanisme des villes grecques, romaines, voire médiévales, donc plus récentes, mais donc un urbanisme qui, si on fait des évaluations de la population de ces agglomérations sur plus de 300 hectares, monte très très vite, si vous voulez, à plus de 5000 habitants. Donc on est là dans quelque chose qui a de très grandes chances de pouvoir correspondre à une véritable ville, hein, au plein sens du terme. La définition de la ville, ce n'est pas simplement la population, évidemment, ce n'est pas simplement une forte population, c'est aussi une fraction, une proportion d'activités diverses, notamment artisanales, mais aussi militaires, religieuses, de gouvernement, d'administration, etc., beaucoup plus diverses
qu'auparavant. Et puis, troisième élément important pour ce qui concerne la définition d'une ville au plein sens du terme, pour nos collègues géographes qui savent de quoi ils parlent dans ce domaine, c'est le niveau de connexité de ces villes entre elles. Et là, donc avec ces villes-là, on a absolument toutes les cases, en quelque sorte, qui sont remplies pour ce qui concerne donc le fait de répondre à ces critères. Donc, un bel exemple, donc on a pensé longtemps qu'à l'ouest de la France actuelle, si vous voulez, on avait eu moins ce genre de développement, et puis à Pau, notamment, dans le Finistère, ou dans les Côtes d'Armor, je crois que c'est à la limite des Côtes d'Armor et du Finistère, donc on a retrouvé un site qui est en plein développement, si vous voulez, pour atteindre effectivement le même type d'apparence globale. Ici, vous avez donc la carte totale donc des sites de type urbain, tels que l'on peut les caractériser selon ce que je viens de vous dire, dans toute cette zone-là, vous voyez que c'est une très très vaste zone. Et l'un des éléments importants aussi de ce qui se développe à cette époque-là, dans l'économie de ces gens-là, c'est le développement d'une monnaie, et d'une monnaie fiduciaire. Vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est qu'une monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui n'a plus de valeur en tant que telle, si vous voulez. C'est une monnaie qui est de vil métal, en quelque sorte. Pire que ça, donc, les monnaies fiduciaires aujourd'hui, c'est les billets de banque en papier. Ça ne vaut rien en soi, bien évidemment. Ça ne vaut... On ne peut acheter quelque chose avec ça. Donc, le commerçant vous fait confiance parce qu'il sait qu'en présentant la chose en question à une banque centrale, il va pouvoir avoir la valeur en question. Donc, c'est ça, une monnaie fiduciaire. Ça veut dire... Une société qui a ce type, qui utilise ce type de monnaie, effectivement, c'est une société qui a un État, avec une administration, avec une puissance, si vous voulez, reconnue par la plupart des gens, qui a donc un impact majeur sur la société et l'économie en question. Alors, vous voyez ici un exemple de potin. Alors, le potin, c'est justement une de ces monnaies en vil métal. Si vous voulez, c'est un bronze avec une très forte proportion d'étain et de bronze, souvent. Ici, vous avez des aires de diffusion, justement, de deux types de potins. Donc, on est dans cette région-ci, donc je vous ai choisi celle-là. Le potin au sanglier, puisqu'il y a des motifs dessus, donc en jaune. Le potin à la grosse tête, en rouge, ici. Donc, ça dépasse, si vous voulez, les frontières des petits états celtiques tels qu'on peut les imaginer, je vais y revenir là-dessus, mais elles sont particulièrement denses, donc autour des états en question, qui assuraient très probablement la remboursabilité, en quelque sorte, des valeurs qui étaient échangées. Donc, petit à petit, les monnaies vont devenir des monnaies non plus coulées, c'est comme ça que sont les potins, mais des monnaies frappées. Voilà comment on frappait les monnaies à cette époque-là, donc déjà, si vous voulez, après ça s'est développé ensuite. Et puis, donc, on a des monnaies aussi de ces époques, en particulier donc, du 1er siècle avant notre ère, où il y a même le nom d'un certain nombre de potentats sur la monnaie elle-même, notamment ici, Vercingétorix, si vous voulez. S'il y a ce type de nom, ça veut dire que les gens qui les utilisaient savaient, pour beaucoup au moins, lire cela. Donc ça me permet de souligner l'importance, effectivement, de l'adoption dans ces sociétés de l'écriture, ce qui, effectivement, est extrêmement important. Moi, on m'a appris, quand j'étais enfant, si vous voulez, que les Gaulois, il y avait un tabou pour ce qui concerne leur usage de l'écriture. C'était avoir mal lu Jules César dans La guerre des Gaules, qui lui-même dit très bien qu'il y avait un tabou, un interdit d'utiliser l'écriture pour ce qui concerne les affaires religieuses, mais qui, effectivement, donc cette écriture était utilisée pour tous les restes, le reste des activités, si vous voulez. Donc, faire des traités, signer des contrats, utiliser l'écriture pour faire des comptages, etc., etc., c'était très, très largement utilisé, bien sûr. Les Gaulois, évidemment, n'ont pas laissé de traces de cette écriture parce qu'ils écrivaient sur des tablettes comme ceci, mais exactement comme les Romains. On n'a pas non plus ce qu'écrivaient les Romains sur des tablettes, puisque ça ne se conserve pas archéologiquement. On a simplement quelques stylets comme ceci qui ont été conservés quand ils étaient soit en os, soit en métal. On en a quelques-uns qui ont été trouvés et que l'on trouve de plus en plus sur les sites d'habitat de cette époque.
Les Romains, la seule différence, si vous voulez, dans l'usage de l'écriture entre les Romains et les Gaulois, c'est que les Romains, eux, ont utilisé l'écriture pour écrire sur de la pierre, sur des monuments, etc., etc., ce que ne faisaient pas les Gaulois. Mais c'est la seule différence. La plupart de l'écrit, si vous voulez, a disparu, de l'écrit romain aussi, comme ont disparu les écrits gaulois. Donc, émergence de la ville, au plein sens du terme, ce qui est complètement différent, évidemment, avec l'image que l'on avait traditionnellement, que l'on a encore beaucoup traditionnellement dans le grand public, si vous voulez. Donc, la ville, la monnaie, l'écriture. Qui dit écriture, hein, avec des archives, dit une administration, donc un État. Et ce qui reste effectivement à montrer, c'est que les sociétés en question répondent aussi au dernier critère de l'État, c'est-à-dire l'instauration du monopole de la contrainte physique légitime. C'est la fameuse définition, si vous voulez, du fameux sociologue allemand Max Weber au XXe siècle. Eh bien, ce que l'on est en train d'essayer de montrer, hein, l'occasion donc, d'une thèse que je dirige actuellement, c'est le fait que, justement, à travers l'armement, on commence à pouvoir mettre en évidence le fait que l'on avait affaire, très probablement, à des armées, si vous voulez, de professionnels permanents, au fur et à mesure que l'on descend dans les deuxièmes, premiers siècles avant notre ère. Donc on a notamment le fameux chaudron de Gundestrup, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui est une production celtique, si vous voulez. Alors c'est un petit peu compliqué parce que du point de vue de sa fabrication, c'est une fabrication probablement qui a réclamé donc un artisan thrace, et on a retrouvé le chaudron en question dans une tourbière danoise. Donc vous voyez, il y a une histoire compliquée, si vous voulez, mais ce que ça montre, c'est effectivement à cette époque-là, donc aux alentours de 100 avant notre ère, de troupes très très uniformes, autrement dit effectivement de forces de l'ordre, de forces militaires, de forces de police, hein, qui, tout cela allant très très bien effectivement avec l'image que l'on peut se faire d'un État au plein sens du terme. Donc voilà la carte des États gaulois, hein, tel qu'on l'on peut l'imaginer, donc en essayant de faire un parallèle avec les diocèses médiévaux qui se sont développés plus tard. Et la romanisation donc est venue s'installer là-dessus. Alors, donc, l'avantage, si vous voulez, pour les sociétés en question, ça a été qu'elles se sont développées de manière intrinsèque, indigène, en toute indépendance, pour adopter la ville et l'État, en quelque sorte, mais cette adoption a, en quelque sorte, facilité, bien entendu, la conquête romaine. Donc, un territoire qui a des centres sur lesquels on peut effectivement concentrer des troupes, ça va être beaucoup plus facile à maîtriser que des sociétés qui sont beaucoup plus diffuses dans le paysage, qui occupent leur environnement de façon beaucoup plus dispersée, etc., etc. Donc, rappelez-vous, la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, etc., etc. Une armée même extrêmement puissante n'arrive jamais à tout contrôler aussi facilement. Donc, les Gaulois ont prêté en quelque sorte la main à leur conquête ultérieure. Les Romains ont quand même pris ont fait attention d'obliger les Gaulois, en effet, après la conquête, lorsqu'a été déclarée la romanisation au plein sens du terme, vers 25 avant notre ère, de romaniser l'ensemble des territoires gaulois, donc en obligeant les Gaulois à descendre dans la plaine, en quelque sorte, et à occuper des villes ouvertes, sans rempart, de façon à pouvoir effectivement intervenir rapidement avec les légions, et pour intervenir encore plus rapidement, d'installer, de bonifier en quelque sorte le réseau routier également. Voilà donc, en somme, ce que je voulais montrer, c'est que l'on a affaire à des sociétés qui ont évolué, si vous voulez, de façon très oscillatoire, avec des montées en force, si vous voulez, des échecs, des retours en arrière d'une certaine manière, et que donc, avec la fin de l'âge du fer, on est à un moment, effectivement, de croissance qui, d'une certaine manière, a prêté le flanc à une occupation romaine, par la suite, qui a été... Alors là, on peut en discuter beaucoup, hein, c'est une question de morale, si vous voulez, d'idéologie d'une certaine manière. Est-ce que ça a été un bien pour les Gaulois ou pas? Donc on peut en discuter, bien sûr. Moi, je suis frappé quand même par le fait que, d'après les sources dont on dispose, si vous voulez, ce que l'on met en évidence, c'est que les sociétés gauloises, donc à la fin de la guerre des Gaules, hein, donc vers 51 avant notre ère, eh bien, on peut estimer, si vous voulez, qu'à peu près 1 million de Gaulois ont été emmenés en esclavage
En Italie, c'est absolument énorme, effectivement, comme ponction, si vous voulez. Hein. Donc, un bien, un mal, donc tout ça se discute, évidemment. Je vous remercie.